Le traditionnel calendrier Hope in Shadows revient en 2023-2024. Un projet qui rappelle qu'ici, dans le Downtown Eastside, malgré la dureté du quartier, il y a des histoires pleines d'espoir et de détermination face à la pauvreté. L'objectif de ce projet photographique est donc de mettre en lumière ces histoires et de les célébrer, une photo à la fois. The idea of it is to combat the stigma and stereotypes that people often associate with the downtown east side. The negativity, it's scary. We want to show the beauty and the wonderful moments in the downtown east side and other neighborhoods where our marginalized populations live. À travers leurs lentilles, des membres de la communauté du Downtown Eastside nous ouvrent une fenêtre sur leur quotidien. Le résultat, ce calendrier. La photo de Gilles Sirène, intitulée « Nettoyage des rues en couleur », représentera le mois de décembre 2023. Ça représente toutes les manières que différents gens essayent de rendre la communauté Downtown Eastside plus beau, meilleur, qui improve la communauté. Un moment de fierté pour ceux qui ont été photographiés. It's nice, you know. I just, my mom's gonna see, get the calendar. Like, everyone I know is gonna, like, well, most of them get the calendar, you know. Une autre photo dans ce calendrier est celle d'un jeune garçon dans un SkyTrain. Elle représentera le mois de novembre 2024. It makes me feel really happy because it's like, you know, I believe in people down here, and like sometimes they don't see it, but I believe in everybody in the Downtown Eastside. You know, we're good people. This calendar highlights like the people of this community. You know, Vancouver isn't Vancouver without the Downtown Eastside. We're a part, like, you know, they see a lot of like negative things, but there's also a lot of positive things that come out of this community. Ce calendrier a aussi pour but de permettre aux personnes marginalisées de présenter leurs expériences et leurs points de vue. Le calendrier sera vendu au coût de 20 $ au public, une façon pour les vendeurs de générer un revenu. Ici Will Dinette-Paul, Radio-Canada, Vancouver.